Bonjour Bob, bonjour. Faut parler plus fort, ici un problème, n'a toujours dans gros jour. Mettre retirer. Retirer bah là parler pour expliquer ça gain. Non, c'est votre de mon mari moi qui t'ai mouri et puis et ça ca fou du fort. Maman mari ou? Oui, connait à noter à l'enterrement, nous allons le 14 février. Enterrement fait 15 16 février n'a pour retourner. Nous habitons Maïgate en face de la place, là, nous entrons dans le corridor. Là, nous arrivons à Bordelou, Mariani, dans l'église. Là. Et puis, pendant le croisé, et puis, vous monsieur qui descend. C'est qui le qui est dans l'enterrement? Nous sommes dans l'enterrement 14 février. Février. Il y a un monsieur qui descend dans un bout de pantalon, chemise blanc soli, et puis il braque sous monsieur à l'idée de ça. Monsieur a été sous Prado? Non, monsieur a été sous Prado blanche. Vite teinté? Oui. Qui plaque? Qui plaque? Il y a l'idée de descendre. Monsieur a descendu, il dit, oh, mais on va descendre. Quand on descend, il fait nous monter pour Adoua. Et puis, ils font l'autre descendre pour un camionnette là. Les virer descendre ensemble avec nous. Il pas prendre le Port-au-Prince? Il prend route Léogane-Gonia? Oui, il a viré descendre, nous avons monté, il retourne descendre ensemble. Il a monté, il a dit, il a sauté en province. Oui. Il a pris le Port-au-Prince. Oui. Il même, il vire retourner avec nous Léogane. Oui. C'est comme s'il a tourné Léogane. Oui. Ok. Quand il a livré tourner ensemble avec nous, quand on a monté la machine dans nos chita, il y a une dame qui mettait un lit dans les yeux chaque. Quand il a nous parlé, on y a passé de nous. Il y a l'ensemble avec nous, quand il a l'air arrivé, il a mis nos côtés, quand il a dit, relève-toi, mais non. Je dis, mes amis, je ne suis pas maman, je ne suis pas papa, je ne suis pas famille ici. Yo dit comment relé? Mon dit relé Milanda. Yo dit Milanda qui ça? Estelle Milanda tout nom dit Milanda cher ami. Qu'on y a dit bail carte électorale ou. Bail carte électorale là yo garder non. Et puis yo dit OK. Relé femme. Moi pas de personne, moi gagne un petit chemin. Moi qui à l'enterrement, moi qui était là caille avec si mon yo pour moi qu'on y a relé. Mon dit chem yo enlever moi. Moi même à toute papouche. Lui disait vrai, mais qui ça n'a fait? Il dit dégagez-vous. C'est des petits chums qui là nous gagnent. Sous son café à faire. Quand il dit, fasse monsieur, vous passez nous. Mais on connaît si mon n'a pas de maturité, la liste pour défendre. Il dit que ça pour le 250 000 dollars venir pour le capable pour nous. Lui dit que ça. Haïtien? Je ne crois pas ça, non? Je dis que ça, si nous ne cherchons pas à blasser, nous ne pouvons pas. Quand je dis, madame, dégagez-vous, cherchez 20 de chambres là, mettez-vous au côté pour vous, 20. Ok, pour qu'on soit capable de faire histoire avec nous, parce qu'on n'a pas de temps pour décrire nos fils là. Donc, on y a. Combien de jours nous faisons dans la vie, sœur, ou maman, ou? Je prends nous 16. Ça m'a apporté 120 000 dollars, vini le 27. Le 28. 27 qui ça, février? Non, où te dis-nous 14, qu'on y a oui, dit-nous 16? 14, oui, mm-hmm. M'a fait plusieurs jours. Mm-hmm. Ah, ok. Le 27, ça m'a voté 120 000 dollars. Venir le 28, il y a la game soupis. Ah, il y a une soupis? Il y a la game. Il y a 120 000 dollars, oui. Il y a dit qu'on s'arrête 120 000 dollars, il y a qui ça m'a fait. Qui est-ce que nous pour aller? Marie me dit qu'on s'arrête fiale. Il y a voué mal, qu'on y a allé m'arriver. Il était bon mon petit téléphone, il était bon téléphone, il a pris la même. Il a bon petit. Il a bon petit bras, il a mis l'autre sim, il a tiré sim. Sim Paola. Et puis il a bon 50 dollars pour me payer ma chute. Sim ça, c'est pour communiquer ensemble avec vous? Oui. Quand il a dit dégagez-moi. Quand il a fait, on dit que ça ne me pas gagner, non? Même te qu'on fait manger dans la caille et puis mettre le pas devant le midi pour me venir. Mais ça veut dire la caille moi. Je veux choisir, je veux de chaud, je veux de cabane, je veux de vaisselle, je veux de drap, je veux tout ça bien. Mandé, fais 50 000 dollars, porte 50 000 dollars. Allez, mettez sous 100 combien 1000 dollars? Oui. Marou toujours dans mes yeux? Oui. Là, je me dis, je porte 50 000 dollars, 50 000 dollars, je me dis, et puis, camionnette là, frais, n'a organisé.
conduisait nous à camionnette là, on a fini de faire comme là. Je dis, oh, regarde notre petit témoin, ne parle pas. Qui prend la camionnette ça, comme une camionnette bonne. On s'en dit, on a frappé elle très cher. Il y aurait le bain comme là. Et puis il y aurait un petit téléphone avec le témoin même là. Des barouins. Mais finalement, il y a libéré Maria. Bon paquet industriel. Ça veut dire que vous n'êtes pas arrivé, Marou Mouri. Non seulement nous baillons une tranche, 100 combien mille, ou bien baillons une tranche 50 000, et camionnette là, le Vietnam est où? Non, mais Vietnam est où? Depuis le premier mars. Qui j'en Marou Mouri? Pas pour ses fleurs. Oui. Ou même combien de temps nous avons avec? Est-ce que c'est pas la fin du monde? Est-ce que le ministre de justice va attendre le journal là? Ils ont fini de prendre, ils ont fait tout ça, ils ont lié des cailles, ils ont voué 100 combien de dollars aller, ils ont dit que ce n'est pas suffisant, ils ont libéré madame, ils ont quitté Maria, madame a reprêté encore pour jouer 50 000 pour te bailler, ils ont bailler 50 000 là, ils ont venu avec Maria, et puis son cadavre ils ont mené Bali. Et Kounia, avec tout le monde qui a eu bras, ils ont fait enterrement Maria. Mes pays on pile nèg moi je venais là moi première fois mon dégât comme ça me pas gens quand moi je venais là pour les locations pas comprendre ça qui passe dans pays moi je venais non non tu vois là moi je machine location je fais photo à jean noir il change de jean il met une chemise blanc moi je fais photo location moi même là m'a regardé cortège président Jovenel met deux mains en tête et c'est pas ça il t'a dit là l'aime d'après ce voile là. Sans compter pas camarade ça lui-même cap qui toujours fait buzz en l'air sous tête de nazon. Effectivement, est-ce que vous confirmez que tu as gagné des Haïtiens qui sont impliqués dans des cas de kidnapping? Bon, sur la question de kidnapping, non, Wendel, je vais ranger la caméra micro un petit peu de problème. Par contre, vous entendez, Wendel? Moi, je t'entends très bien. Ok, voilà. Excusez, parce que nous avons un petit problème micro qui était d'un coup baissé. Oui, Wendel, sur la question de kidnapping, non. Ça, c'est un problème qui est plus fort que nous voulons dénoncer aujourd'hui. Et c'est surtout avec un cas de kidnapping qui est enregistré. Mais si nous avons un deuxième, et pour éviter un deuxième, un troisième, nous sommes obligés de dénoncer. Un Haïtien qui mettait ensemble avec un autre, qui mettait à quatre Brésiliens, surtout. C'est un Haïtien qui mettait à quatre Brésiliens, puis il a kidnappé un autre Haïtien pareil. Ça arrivé dans l'État San Paolo, dans une ville qui est le San Mateus. Et Haïtien qui a été kidnappé à l'Idi, il n'y a pas de problème pour le parler ensemble avec nous. Il y a les Mackinson, on a qu'à en Haïti au courant de ça. C'est suite avec Haïtien qui a kidnappé là, monsieur, il est Daniel Mileus. Et Daniel Mileus, il a été ensemble avec le Brésilien qui a kidnappé Mackinson parce que tu apprends que Mackinson était pour recevoir l'argent, Mendel. Et automatiquement, il est au courant de ça, il fait complot, il kidnappe Haïtien. Enfin, du coup, Haïtien, sa victime en pile, jusqu'à présent, monsieur, l'hôpital, depuis le cassé, et il a construit, c'est quelques Haïtiens qui pas très connaît lui, qui a aidé lui, qui était solidaire avec, qui a construit lui. Donc, ça veut dire qu'en plus d'enlèvement, de séquestration, il est torturé, monsieur? En pile. Yo marre code dans cou, yo traîné li, col plein mac, li blessé plusieurs côtés, des pieds cassés, yo mette le sachet moi et ajouté l'autre côté en pensant que la mourir de sachet a, et c'est pendant la cou, roule, et bon, le sachet a rinchiré, et d'après ça, il explique que nous avons un voice, nous appelons notre fille ensemble avec lui, et que sachet a vint chiré, il vint sorti, souvent il allait parce que pas qu'à camper jusqu'à présent,
et il arrive un côté qui gagne un Brésilien de bon cœur qui relève au bœuf et à mettre de la caille à aller à l'hôpital ensemble avec lui. En un mot, il y a été quand monsieur fait 3 jours, fermé dans un côté, bal bâton, offrir les pour lui prendre cocaïne, marijuana, il ne prend pas mal manger, il ne prend pas l'eau. Monsieur dit qu'il souffre parce qu'il passe un mauvais moment dans la ville. Et le pire, Haïtien qui kidnappe là, arrêté parce que même côté ensemble avec lui. Madame Haïtien, ça, dans la caille là toujours, mais. Je te dénonce, je nous dis, nous ne pas si tirer bandits, nous ne pas si tirer voleurs, nous ne pas si tirer kidnapping, et aucun kidnapper vient dans le Brésil, là, vient mettre un marque noir, parce que marque ça noir, parce que tout le monde, journal dans le pays du Brésil, prend plaisir à parler de comment la situation du pays d'Haïti est, et l'image, ça, il touche n'importe immigrant, que ce soit qui vit dans le pays du Brésil ou bien dans l'autre pays, depuis le pays sale ou sale, depuis Haïti sale, n'importe qui vit de l'autre côté, ou comme étant sale, je dis, oh diable, en faisant au même tour, au capable de kidnapper, au même tour, capable de bandit. C'est ça que fait. Il a été dénoncé, la police débarquée, il a arrêté Mackinson, il a arrêté Daniel, il s'est dit au moins 2 semaines en prison, et la prison pour un bon bout de temps. Mais la justice toujours bien faiblesse, et fait Mackinson, on s'est préoccupé si. Au cas où Daniel t'a sorti dans prison, pour Daniel pas venir faire revanche. Donc on a essayé de vivre, on a compté ensemble avec Wendell. Et depuis ça arrive la justice, on a l'impression que son compte qui n'est pas jamais fini. Si on a fait Mackinson paix, il a demandé protection, l'État, il a demandé nous-mêmes dans le CCHB pour nous voir comment nous sommes capables d'aider la carte d'avocat nous gagner pour protéger lui, pour au moins la ville pas courir danger. Compte avec Daniel et Madame Daniel, tout qui toujours était dans Kaila, qui va déplacer, qui a pris une occasion pour faire un zac sous lui. Mais dis-nous, l'initiative là, c'est Brésilien qui, ou bien Haïtien qui prend l'initiative là? L'initiative qui c'est Daniel, et Daniel Haïtien qui était au courant que Mackinson a reçu un l'argent pour aider un monde qui est venu au Brésil, et il y a 6 mois de décembre dans sa tête. Et le fait que le temps dit, pendant que Daniel a mangé dans un restaurant que la caille madame Daniel gagne, Mackinson a mangé dans un restaurant et puis il recevra un appel, le monde m'a dit, vous voyez comme la pour oui. Alors dégagez-vous, faites voyage là pour moi. C'est dans la question ça, et que Daniel au courant, il dit, ah, bien, comme là, pas le prêter une cop. Il s'est dit, non, c'est cop, voyage au monde, c'est pas cop, bam. Et dans la même semaine, là, Daniel range quoi. Et ça qui est dur, c'est que Daniel toujours là, dans le caillou, mette monsieur, il a passé 3 cas ensemble avec lui, puis il est capable d'essayer de dépister la police, ou dépister toute recherche qu'il est capable de faire. Il est toujours là, il est toujours dans le caillou, il montre le visage li, à Mackinson, Mackinson, que c'est lui-même. Cap dit que oui, Mackinson a l'argent, bat li, et 4300 reais que Mackinson a gagné dans le menu, il prend l'argent ça, et l'autre l'argent qui a besoin de prendre. Comme étant donné qu'il n'y a pas qu'à demander rançon, il n'y a pas qu'à demander famille pour famille voyer l'argent, pas que moi et ça, fait que finalement c'était 4 de crédit, monsieur, qui a demandé pour te débloquer 4 ans, pour te aller comme là, comme le monde qui a voyé sous 4 ans. Monsieur, il dit si on a tout, nous mettons tout, parce que moi, je n'ai pas un cobre. Comme l'on a reçu pour mon bagage, il a dépensé pour s'en recevoir l'IA, c'était pour billets d'avion, etc. Comme la banane même. Et bon, finalement, tout le monde ne voyait pas bien plus que ça que Daniel député Dio. Daniel Dio, monsieur, il y a un paquet de cob. Et il y a un monsieur, mettez le nom ça. La gueule, l'idée en machine, il te dit, dégage chasse, ouais. C'est 3 machines qui te viennent avec 3 machines. Et il y a une machine grise, une machine blanche, et une machine noire. Il y a allé avec un côté qui très loin. Mais est-ce que c'est Haïtien seulement qui va arrêter? Bon, malheureusement, dans un moment, Haïtien qui a fait la prison, il retourne là, il était tout prêt, ensemble avec Daniel, il prend pause. Et bon, il a dit, oh, Daniel mourit, et Mackinson mourit, etc. C'est à grand étonnement, il est retourné, il voit que Mackinson est retourné dans le cas de Mackinson, pas mourir. Et c'est là, il est exactement la police qui est à l'aide, que je lui même seulement. Pour le moment, comme il est en prison, la police a mené en tête pour lui connaître qui l'autre monde. Qui était ensemble avec lui parce que dans le moment où tu as kidnappé Mackinson, tu as gagné des armes, tu as allé 9 mm sur Mackinson, tu as forcé de monter dans la machine, puis tu es capable d'aller ensemble avec lui. Il faut dire que c'est Daniel même qui te descend, qui dit monsieur, monte la machine, non, il mal parler ensemble avec lui. Il dit pas monter, Mackinson fait force sur lui, il fait monter la machine. Non. Alors, il compte qui est-ce qui fait ça, là, il compte Mackinson, et il dit ouais, c'est Mackinson, et Mackinson, c'est Daniel même qui était auteur et kidnapping. Non. Maintenant, nous-mêmes là-bas, nous avons un problème par rapport à Zaxa. Donc, nous apprenons ce qui a passé en Haïti, ou même qui au Brésil. Là, je crois que c'est. Ou pas rentré en Haïti souvent à cause de ça. C'est vrai que c'est un cas. Mais nous disons que nous sommes pas d'accord. Si il y a un cas, qu'il y a 2 cas, qu'il y a 3 cas. Mais comment nous vivons? Lorsque la communauté apprend ça, qu'est-ce que ça nous fait? Et qui s'en réagit?
Bon, Fondi, c'est suite à un autre ami qui est Daniel Dou, et c'est pas Daniel qui commet tout le monde. Monsieur qui est une agence de voyage et Daniel, c'est lui-même qui entre en contact ensemble avec moi. Parce que jusqu'à présent, nous avons remarqué que l'accès pour les Haïtiens qui étaient pays d'Haïti est déjà limité, qu'on y a là, puisque compagnie à avion qui était pour nous faire voler l'UO, il n'est pas fait encore. C'est l'autre façon que les Haïtiens mettent ensemble, soit louer un avion pour continuer qui aimer voler l'UO. Et dans la façon ça, dans la ville de Nouria, nous avons recevoir un peu d'Haïtiens qui arrivent dans la ville de Nouria, c'est là l'avion descend. Et c'est suite avec l'information ça, Daniel informé nous que les Haïtiens étaient victimes parce qu'il est même tout le temps au courant des cas. Les patins, mais ça arrive plus loin. On dit Daniel, bon, nous avons une métropole qui est toujours disponible pour tant de cailloux. On nous dénonce, parce que ça, il n'est pas arrivé plus loin. C'est pour ça que Daniel est trop content de faire parler ensemble avec Mackinson pour nous dire, bon, il a dénoncé, parce que assez souvent, si vous quittez un carré, vous faites silence, ou vous êtes tolérant, ou vous êtes trop tolérant, ou vous êtes capable de victimer. Mackinson, pour lui-même, comme étant victime, il dit, malheureusement, c'est lui-même, ça arrive, mais le patin, mais ça arrive, on l'a pas ici. Nous sommes obligés de méfier. Parce qu'il y a trois personnes qui ont pris le Brésil là et nous ne connaissons pas si c'est qui sauvé et la police a cherché dans le pays d'Haïti ou qui a facilité l'accès pour quitter le pays. Là. Nous prenons comment la situation est. Et tout le monde est méfiant pour éviter que Mackinson décide de parler, de dénoncer lui et de trouver son bon attitude lié. Les grands mondes sales, beaucoup de ou dénoncer lui pour au moins éviter que la communauté soit sale. Il y en a une raison qui fait Wendell nous décider à travers des métropoles qui toujours. Que ben nous possibilité pour nous parler avec la communauté haïtienne, que ce soit au Brésil ou des familles ou qui en Haïti, c'est éviter un mal arrivé. Parce que haïtien de voyage, il paye cher pour venir au Brésil, nous trouver ça l'aide pour payer tout comme ça pour venir au Brésil, pour ces actes malhonnêtes ou venir faire. Et souvent, faire dynamique pour nous, nous dénonçons parce que nous-mêmes, nous voulons au moins garder une image. Parce que si un haïtien volait, il y a dit haïtien volait. Si un haïtien bandit tout le monde, il y a dit haïtien assassin, haïtien bandit. Et nous avons dernière image qui est sur nous là, mais déjà, il passé, ça a passé dans la question du village, etc. Fait que, lui touche nous directement, lui touche tout diaspora, haïtien qui est capable de vivre dans l'autre pays, il touche nous directement, nous avons remarqué une sensation de révolte. Le peuple haïtien dit, oh, ça suffit, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Mais c'est la même idée ça, nous ne pas appeler ça a empêché nos jeunes travail, nous ne pas appeler ça a empêché que. L'autre monde, entreprise qui voulait ouvrir accès pour nous, capable de travailler, lui a dit non, nous sommes capables de faire kidnapping contre eux, puisque nous apprenons à essayer que l'argent nous fait kidnapping, pour ça, nous sommes capables de faire kidnapping l'autre monde, etc. Nous pas voulu arriver dans le niveau ça, c'est ça qui fait nous dénoncer. Et haïtiens, ça qui fait kidnapping, non. Nous mettons des photos sur les réseaux sociaux, nous disons qui est lié pour yon moun pas tolérer le bon côté. Au contraire, nous avons bien aimé que le gouvernement Brésil a fait déportation, monsieur, pour y aller directement dans le pénitencier. Après que le film pige peine dans le pays Brésil, Brésil, loi Brésil l'a dit, combien de temps que le Brésil doit payer le Brésil? Le film pige Brésil, doit payer le pays ou tout, parce que ça ne va pas tolérer. C'est une raison que la police fédérale était très vigilante contre tout ça, banditisme ça, et pour aider la police fédérale à faire travailler, les communautés haïtiennes ont été vigilantes, on a dénoncé l'autre, pour ça pas répéter encore, et Wendell. Merci, et, mais alors, bon dernier point de vous avec vous sur ça. Et, c'est vrai, moi, observé que, Gontier, il faut qu'on fait pour nous essayer de protéger, à sauvegarder cette image que nous gagnons, ou bon, pour sacrifier comme image, non? Mais est-ce que nous pouvons parler tout avec Haïtiens qui voulaient atteindre les États-Unis à pied, en traversant plusieurs autres pays? Est-ce que nous gagnons une campagne que nous menons auprès de Haïtiens, ça autour? Bon, à travers Maison Culturelle Haïti-Brésil, la CCHB, et que nous responsables, nous toujours fait ça et dans le moment où là tout nous décourage en pile. Il y a plusieurs pays ici dans le dernier moment, même pendant post-Covid là, la route là, mais malheureusement, ils arrivent dans la frontière, leur pays, ils ont déporté, ils ont retourné au Brésil, puisque ils ont une résidence qui dit qu'ils vivent au Brésil. Il y a un pile, c'est l'argent à perdre. Il y a un pile, tout qui est mort dans la route, ça. Nous expliquer, nous parler avec quelqu'un qui réussit à arriver à destination. Pour le moment, pile, non, ils ont bloqué Mexique, sauf frontière Mexique là pour entrer aux États-Unis, c'est là qui limite pour le moment. Fait que les arrivés là avec expliquer l'autre quelles difficultés qu'ils ont rencontrées pour faire ou de ça et nous-mêmes à travers de maisons culturelles là Wendell nous toujours disons tant pis éviter parce que Brésil c'est un pays qui facilite n'importe haïtien qui arrive sur le territoire que ce soit un document il peut accès avec tout document qu'on a besoin pour capable et disons d'y place ou dans la société là. Que ce soit avec soin de la santé ou jeune ça tout gratis mais à tout le monde qui arrive sur le territoire travail. En pile entreprise qu'on ouvre accès à travailler avec la communauté haïtienne, non.
Même dans la période de pandémie, là, pour montrer comment nous faciliter nous, il y a une institution qui ouvre une vague spécialement pour immigrants et réfugiés. Alors que les Haïtiens sont considérés comme étant immigrants, pas réfugiés, ok? Haïtiens n'ont pas un statut réfugié, ils ont un statut immigrant. Ça, c'est une façon pour nous dire, si nous n'avons pas tout accès à ça, nous ne pouvons pas courir derrière un autre qui entre dans un pays illégal, immigration, après des arrêtés, mettez-vous dans la prison, en attendant que vous sortiez dans la prison, et automatiquement passer dans la prison, encore, vous avez une fiche qui dit qu'on est prisonnier. Sans votre raison que vous êtes entré dans la prison, vous êtes prisonnier, ou vous avez une fiche qui sale. Donc, on décourage, vous faites là, mais on connaît, vous avez l'impression haïtien, vous avez un calé dans l'esprit que et c'est Jérusalem et États-Unis, il faut qu'ils vivent Jérusalem à tout prix, et il faut qu'ils ne pas sentir à l'aise. Et si n'ont pas senti à l'aise, c'est comme Jean-Proverbe l'a dit, à quoi pour t'il l'appli, il est tombé dans. Oh, mes amis, il y a quoi pour t'il l'appli, il est tombé dans la rivière. Voilà. Merci. Et c'est en pile, il y a un malaise arrivé. On finit avec. Corona, est-ce que Guy Ampil a ici qui est victime de Corona au Brésil? Il y a un peu qui prend maladie, mais j'aime de là, nous utilisons le remède de la caille de Wendel. Et puis là, il prend gingembre, prend thé, prend un peu de feuilles, citron, etc. Il n'y a pas mouru, mais il est touché par maladie. Il dit que je sens ces symptômes, qu'on fait mal, grippe, pas qu'à manger, vous mangez à pas même, etc. Mais il n'y a pas mouru, grâce à Dieu, il n'y a qu'un bien Wendel. Non, donc nous résister. Oui, voilà, n'a pas qu'un jusqu'à présent. Et ça, il a dit tout à l'heure, c'est qu'un des mêmes principes. Brésil a dit un lockdown, Wendel, il a dit ça, lockdown. Peut-être que plus fort magasin, business fermé, il a interdit de vendre produits qui ne sont pas importants. C'est seulement produit pour manger et mettre pharmacie qui ouvrit. Et on a son couvre-feu chaque, à partir de mois, ça là pour 30 jours, depuis 8 heures du soir. Pas de monde qui donne dans l'aria, que police, ou bien monde qui sortit travaille dans le domaine de santé. Ou bien, on caille les gens qui sont capables de prendre la rue pour aller acheter un remède. Il faut qu'il y ait une prescription docteur qui dit que c'est dans la pharmacie pour aller. Et applicatif et transport qui fonctionnait pour Uber ou bien Novi Novi, 99, qui fonctionnait. Et, mais, il va bien dans la rue. C'est au caille les gens. La police a fait un contrôle strict pour limiter le deuxième vaccin à la pandémie en prenant la grande pile force. Et ils voulaient contrôler ça, ils ont pour tout le monde de la carrière. Si vous n'avez pas une agence, pas prendre la rue. Parce que si vous croisez un monde dans la rue, après la période 8 heures du soir, 9 heures du soir, et mon ça paye un amende, il va aller dans une délégation de police pour lui aller faire un petit temps. Après ça, il y a la guérille, certainement, mais par contre, la paye un amende. Même apprendre tout que. On a augmenté, pas de placement. Même apprendre tout que Haïtien n'est pas d'accord à le faire test. Il n'est pas accepté à le faire test de dépistage Corona. Dans le Brésil, il n'y a pas obligatoire pour le faire test, mais pour voyager, tout le monde qui a vu le Brésil doit faire test. Bon, on va dénoncer qu'il y a un peu de monde laboratoire en Haïti qui a fait test, qui a demandé de toucher un paquet de l'argent. Il y a un peu de monde qui vient du Brésil récemment qui dit qu'il a payé 1200 dollars haïtiens pour faire un test Corona. Et il a critiqué ça en pile. Et des fois, il n'y a pas même fait test là, c'est juste au papier au bayo. Il a dénoncé ça, Wendel. Nous demandons de taper d'Haïti, s'il vous plaît, mettons structure dans le domaine ça parce que. Et l'important pour nous protéger, pour les Haïtiens qui a venu ici, et pour les Haïtiens qui a venu peut-être capable de corona, pas connaître, et papier des autres, qui ont fait en Haïti, et l'élite pour des autres la campagne, on a dénoncé tout laboratoire qui a touché, on a exorbitant dans les Haïtiens, et puis il n'y a surtout pas de l'argent, on nous fait bagaille, puis bien, parce que l'image l'a levé dans la bouche police fédérale au courant que gagne un petit bail pour puis ça qui toujours en Haïti pour nous dénoncer Wendel. Merci Berman garçon son plaisir pour me détendre au matin hein, et pour information qu'on partager avec nous yo merci infiniment il faut me rappeler qu'on est toujours disponible pour nous information sous communauté haïtienne non, et là-bas qui vivent au Brésil. Encore une fois c'est un plaisir pour me détendre. M'absolue de passer un bon week-end. Merci Wendel, merci Stanley, merci tout.